Oui, il a craqué la chance, oui! Et regardez! Elle est en double def, elle est anti-Sonia! Elle est incroyable! Du coup, les petits potes, on est sur un petit compte sympa qui a pas mal de LD, qui est C2, qui est C2, max C3. Et je voulais un petit peu voir ce que donne Devaraja aujourd'hui. Et du coup, sur un compte qui a Maximilian, du coup, qui est réuni en Vio. Voilà. Donc, plutôt Knocker, elle est pas très très tanky, du coup, ce sera vraiment pas un pic qu'on prendra en première rotation. Puisqu'on n'a pas spécialement envie de jouer du Moore CP Maximilian, on veut plutôt partir également sur la Oliver Vanessa, Veronica, j'imagine. Donc avec une Veronica qui du coup qui est plutôt tanky. On a du Triton en contre assaut de pied, des Shirt qui tombent en contre assaut de pied, pardon. On a du Moore en Desper, en Vio, pardon, en Vio, excuse-moi, en Vio. On a du CP Desper, voilà, artefact bleu, AI, ok. On a une petite machin en taux crit, ok, hop, petit Douglas, Last Pig, Léo. On a un talisman, voilà, donc il est plutôt lent. Parce que bah justement, il va être utilisé quand on est sûr d'avoir le premier tour. RVRD Swift, Train, voilà. Un Kraka anti-Sonia. On a un Nigong anti-Cleave. Un petit Abelio offensif. On a le Suki, voilà. Une petite Cassandra Feu en double Name Will. Un petit Oliver Sandrez, capé précis avec l'artefact de droite. On a un Kernal avec des petites Subtocrites, un peu plus lent. On a une bête qui est plutôt rapide, bien tanky, pas mal de précision. Multit à gauche à droite, voilà. Un petit Egang Swift, petit Carlos, petit Psamat en rage, Will, plutôt rapide, pas mal. Petit robot, petite Vivachel en Swift Will, voilà, anti-Léo, hein, pas trop mal. Petit Devaraja du coup qu'on voudrait tester aujourd'hui en Vio, voilà. Pas trop de Tokrit du coup, ce sera pas un build offensif. On verra bien ce que ça donne. Petit Shizuka. On a un Daniel également en Vio, il est pas en Desper, ce serait mieux Desper, mais bon, voilà, on fait avec ce qu'on a. On a un petit Rakuni en Vio. On a un petit Mei Wang. Voilà, bien tanky. Un petit Léo. Alors, elle a pas mal de speed. C'est celui en Vampire. Il a un peu trop de speed, mais il est full Knocker. Ok. On a un Veromos. Double Nemesis. Une petite Sonia. Elle est pas grindée. Elle commence à être grindée. Ok. Donc, des petites grindes à gauche à droite. Mais pourquoi pas, on va peut-être la tester. Petite Vanessa, si on veut pas jouer Oliver. Petit Jamir. Petit Echar, où on va remettre l'artefact ici. Voilà. Petite Diana. Double HP Tokrit. Petit Ricky à l'aspic, petit Sian et un Mananan pour le fun si jamais. Ok, très bien, on va tester tout ça aujourd'hui. Voilà, oh, ça va être fun. Juste avant la fête avec ces petits LD broken, petite promotion pour Huawei. Donc si vous voulez acheter des packs sur ce Summoner, eh bien grâce à Huawei, vous pouvez avoir des petites réductions jusqu'à moins 27%. Donc de l'argent utilisé uniquement à but de loisir, je le rappelle bien. Si vous voulez vous faire plaisir, eh bien grâce à Huawei, vous pouvez avoir des petites promotions, moins 5% directement remboursé en Huawei points, donc un petit porte-monnaie annexe sur vos 3 premiers achats durant le week-end. Et vous avez une deuxième offre que Huawei vous propose qui est une réduction jusqu'à 22%. Donc vous achetez un pack et bien vous récupérez un nombre de diamants. Un pack à 100 euros ça équivaut plus ou moins à 120 diamants. Donc vous pourrez récupérer directement un petit coupon de 15 euros. Et du coup si vous achetez un pack à 15 euros et bien avec le coupon il sera juste gratuit. Donc cette promotion là est jusqu'à la fin novembre. Et puis en décembre on aura une nouvelle promotion semblable. Donc restez à l'affût des nouvelles offres qui vont arriver la semaine prochaine. Pour pouvoir bénéficier de toutes ces promotions il faut installer Huawei. Donc simplement vous allez dans votre navigateur ou bien sur votre téléphone Android. Vous tapez Huawei App Gallery, vous téléchargez l'APK, vous l'installez, vous arrivez directement dans ce menu. Et ici, il faut réinstaller HMS Core comme ceci. Vous l'installez, vous créez votre compte, vous réglez toutes les paperasses, nom, prénom, moyen de paiement, etc. Et une fois que c'est fait, il suffit juste de réinstaller Summoner War sur cette application. Et une fois que c'est fait, vous pouvez y jouer comme sur n'importe quel autre store, tout simplement. Et pour profiter des promotions, eh bien, il faut se rendre dans l'onglet promotions dans le menu d'accueil. Et ici, vous avez toutes les promotions qui y figurent. Et notamment, vous avez une promotion qui dure encore quelques jours. Donc si vous n'avez pas vu, vous avez une autre promotion où en fait vous avez juste 4 coupons à récupérer. Voilà, gratuitement, 4 coupons gratos. Et maintenant les potes, on est parti pour le gameplay, ça va être incroyable. On va faire ce week Vanessa, voir ce que ça donne. Oh, what the fuck. Ok, on va prendre ça et ça du coup. Donc Vanessa plus DLD, broken, l'archétype est broken. Et là ici, dans ce contest là, contre ça, si le mec joue pas trop le premier tour, on pourra prendre potentiellement talisman et genre un robot, tu vois. Voilà. Bah voilà, ou bien Daniel, on pourrait prendre Daniel aussi, c'est vrai, mais bon. Vas-y, bah tu sais quoi, je suis chaud à prendre talisman ici. On va prendre robot, il est là, ok. Ok, nice. Oh, que ça va être amusant. Oh, que ça va être amusant. Oh, il va ban le talisman. Non, il ban le talisman, c'est pas drôle. Bon, je banne ça quand même, mais oh, il ban le talisman. Oh, il banne pas le talisman. Oh, il sait pas. Oh, il sait pas, les gars. Oh, il sait pas.
Oh là 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 là, la tournole qu'on va lui mettre. Donc là, on reset tout le monde. Mais il va se faire détruire. Oh, il va quitter avant, c'est sûr. Oh putain. Ah, il va quitter avant, c'est sûr. Chou. Holy shit. Ouais, j'aime trop. Alors du coup, vas-y, on va faire speak Vanessa. C'est quoi, si ça peut nous donner des angles de talisman, moi j'aime bien. Ok, est-ce qu'on prend le verdé contre lui ou pas? Non, vas-y, Osef. Bon, Véronica, c'est un peu faible contre ça, hein, j'avoue, mais bon. Juste pour jouer un opening intéressant. Mais Véronica, contre ça, c'est pas ouf, parce que c'est des mobs qui, s'ils se font reset, ils se rebattent les couilles, tu vois. Et je peux me faire punir, il prend Verdé, Léo, tout ça, et... Mais bon, on est en C2, on a envie de tester des trucs, voilà. Du coup, on va prendre notre CP ici, et on prend talisman ou pas? Les gars, vas-y, je prends talisman, je m'en bats les couilles. Je prends le talisman. Vas-y, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ok. Alors, en vrai, je banne juste le mal, il n'y a que lui qui peut me saouler. Ok, les gars. Nice. Alors, du coup. Donc, on reset. Nice. On skill 3. Nice, on n'a pas de Sun Despair. On met un break death où? On le met là, hein. Et là, on le fait disparaître. Pouf. On fait skill 2, on cycle. Et on fait skill 2, et c'est terminé. Tout le monde descend, il n'y a rien à voir. Oh putain, c'est broken. Vas-y, on va jouer des Verraja, on peut pas le jouer. On n'arrive jamais à le sortir, on va le jouer. On va jouer Kraka aussi. On va jouer Léo. Et on va prendre Vivachel. Et comme je sais qu'il va pas laisser ce combo là, j'ai pris le Léon Vio, les gars, vous doutez bien. Alors du coup, on va donner le tour à qui? À notre Kraka. Kraka Reaper safe, guys. Ouais, je crois que c'est un peu la merde quand même. Oh, Sweet Speed par le Miles quand même, what the fuck? Oh putain. Oh, c'est vraiment le sac toutes les games, c'est une dinguerie, hein. C'est un truc de fou, hein. Ah, il y a comme une justice, c'est bien. Oh, les dégâts négatifs. Ça. Résistance. Ça arrive tout le temps. Hein. MLS Undesper, le sac un peu. My goodness. Broken. Ah mais on a raté la spell, du coup on a plus rien. Non. Là il a son reset du coup. Ah si on avait pas été, si on avait pas raté, on était bien. Là on a perdu là-dessus, je pense. Oh. Wait. Ok, attendez, c'est pas fini hein. Wait. Dévarage à gaming. Ouais, tu es ça direct. Dévarage à gaming. Hop là, boost cleanse. On a le skill 2. Ah, c'est passé. Alors, il a un contest haute speed et il joue le sac à côté.
Comment est-ce qu'on fait, nous? Allez, on va tester. On va tester les LD. Allez, go. Bon, on n'a pas le move, il est en face, mais... Oh, il a une compo de loulou, là. On n'a pas de sustain, on est obligé de banner Alexandra. Il a une compo full LD. Il va ban Véronica. Nous, on banne quoi? On banne Alexandra. Il banne Véronica. Quoi? Ok. Alors, qui va réussir un strip? En fait, le pire scénario, c'est que la Célia réussisse un strip à slip la Véronica. Une chance sur quatre. Ah, y'a pas de wheel en vrai, c'est ok. Stable back def, même s'il n'y a pas de dégâts, c'est pour réduire la TB. Je pense que ce sera mieux comme ça. Et là, il n'y a pas beaucoup d'ATB, donc là, on peut mettre des dégâts. Et pas mal, non? Allez, on va partir sur Oliver et Véronica. Oh, Veloxac. Bah, contre ça, il faut juste prendre des bruiseurs, hein, en vrai de vrai. Sinon, il y a Triton, Banné Verdé en dernière rota, si on veut continuer à jouer un peu de la cleave. Allez, on va tester le Devraja, c'est bon, j'ai envie. J'ai envie, les gars. On va banner les gangs, c'est pas grave. On va banner les gangs et Verdé, on fera abstraction à lui, t'inquiète. C'est comme s'il n'existait pas, le Verdé. Pas une Sonia à l'aspic. On va banner les gangs. Ok? Oh, on peut one-shot quoi avec ça? La Sonia elle est assez... Ah, bah il y a les def. Putain, j'avais pas pensé. Mais du coup, il a pas de speed. Mais il est trop bête. Bon, elle est pas malin. Après, bon, j'imagine que son Pontos, il en est mésé. C'est... Du coup, on va pouvoir l'atomiser quand même avec la Sonia. Non? Il en est mésé, ça se voit, regarde. Eh, ouais, ouais. J'avais vu, hein. Je l'avais vu. Eh oui, on l'avait vu. Hop. Uch. Double revenge will, le Verdé. Fait plaisir. Et le slow est cool, là, par contre, le slow est vraiment bien. Ok, nice. Oh, bien ça. On va compter ce premier tour. Hop là. Là, on est sur 2 speed, et on est sur 2 speed. Derrière, on peut prendre Maximilian et un stripper. C'est vraiment trop fort, hein, Maximilian. Merci à toi, Maximilian, d'exister. Voilà, il a une Laura, mais Laura c'est Vio. J'ai pas envie de prendre Triton ici, honnêtement. Pourquoi? En vrai, je devrais prendre un Moore, honnêtement. En fait, je vais prendre Moore et autre chose que Maximilian, non? On est un joueur de Deveraja ou pas? On est un joueur de Deveraja, les gars. Ok. Je pense que Miles sur l'outspeed ici. Ah, du coup, on va faire skill 2 ici, pas le choix. Il va falloir strip 1. Ok. Ah, on peut pas toutes les gagner, les gars. On peut pas toutes les gagner. Ouais. On peut pas être bon à chaque fois. Hein. On peut se faire le xac, hein, c'est vrai. On a le droit. Bah, c'est perdu, là. On peut plus gagner. Bah, j'imagine qu'ils ont 113 tous les deux. Hein. Pardon, 213. Ah, c'est pas de peau. Bah, on a raté les strips sur les deux plus intéressants. Enfin, en fait, c'est les deux seuls strips qui étaient intéressants, quoi. On peut quand même la gagner encore, je pense pas honnêtement. Il va falloir un Moore qui proc tous les tours. Ça paraît compliqué. Bon, on va voir, mais là le problème c'est que la Macha a son spell. Oh, il met le backdep, on a Sandré là-dessus. C'est unlucky. Si on proc violent, on n'a pas de proc violent, on a un avantage de proc. Non, si on proc ici, on est trop bien.
non, j'aurais trop voulu l'avoir. Après, on l'app, hein, je pense. On l'app, je pense. Faut qu'il me stun me dévaraja. Oh, on dort. On dort, hein. Ouais, j'ai droit à un proc violent ou pas? Il est encore proc. Oh my goodness, qu'est-ce que c'est que cette sournoiserie? J'ai droit à un proc ou pas moi aussi? Bah non, que les petits en fait. C'est une dinguerie. Ah, bah j'en ai droit à un, en fait. Il est un peu tard, il arrive vraiment très très tard et pas sur le bon mob. Oh my god! Derrière, il réussit la réduc, du coup, il peut aller me taunt ou me cesser. Je sais pas s'il a son spell. Ok, ça, c'est huge. En fait, juste. J'ai pas envie de me faire le sac. Je veux pas me faire le sac. Ok. Oh putain, on s'en sort, les gars. On s'en sort. Alors là, par contre, je vais repartir là-dessus. Bête. J'aime pas trop. J'aime pas trop bête ici. Moore à la place. Et on prend à la place de Maxi. Non, j'aime pas trop non plus. Vas-y, on va prendre ça, on va tester ça, tu sais quoi. Mais j'ai juste envie de ban ça. Ok. Mais je pense qu'on l'a gagné. Daniel gère Douglas, non? C'est un test. On va faire skill 2 direct. Skill 3 pour reset, les trucs. Ok, à tout une crise. Ça glance. On va aller contrôler la TV de ce truc là ou pas? Ouais. Et là on contrôle la TB aussi, on fait quoi? On est KP AQ? Bon, du coup on n'a pas mis de dégâts. Du coup on n'a pas mis de dégâts, ok. Je vais prendre ici, hop là. Hop là. Voilà. Si je proc là, c'est une dinguerie. On va faire ça, ils vont transférer la HP l'un à l'autre. Ok. Allez, dernier réel les potes. On va essayer de jouer des Varaja. En vrai, on va le jouer, on va le forcer. Partir là-dessus. Comme ça, on peut tester la petite Sonia, donc aussi ça va être cool. Ah ouais, t'inquiète, je banne tout l'aspic, y'a pas de problème frérot. Tu peux prendre ce que tu veux, je le banne. Y'a pas de problème frérot. Prends ce que tu veux, je le banne. Tu peux prendre ce que tu veux frérot. Montre-moi tous tes LD, tous tes mobs, ta box, je vais le banne. Oui, vas-y, ce que tu veux frérot, je le banne. Bon. Allez, c'est parti. Ça, tu vas le regretter, ça, je te le dis. Ok.
là-dessus. Ça a été reset, hein. Il ne manque pas l'occasion de proc, par contre, ça, c'est... on peut pas les retirer. Nice. Eh, pas mal. T'as vu comme il a tanké pour tout le monde ou pas? Incroyable. Bah, je me suis super bien amusé, putain. Je sais pas si vous vous êtes bien amusé à regarder aussi la petite game. Moi, je me suis bien amusé. Voilà.